réaction. Quête active sur l'alimentation. Mission, course contre la nuit. Les explorateurs de l'espace, les Galactix, sont chargés de veiller sur la galaxie et ses planètes. Ils sont face à un événement mystérieux. La planète mère est plongée dans la noirceur totale. Les Galactix doivent rétablir la lumière. Ils ont besoin de toi. Voici les persévérants Galactix. Ensemble, vous devrez récolter les végétaux les plus lumineux de la planète Boralux. Ces végétaux devront ensuite être activés pour libérer la lumière et la diffuser vers la planète mère. Pour accomplir cette mission, tu devras répondre à des questions en effectuant les mouvements proposés par les personnages. Mais avant de commencer, voici des indices qui t'aideront à répondre aux questions. Écoute attentivement. L'assiette équilibrée du Guide alimentaire canadien est un outil pour t'aider à choisir des aliments qui permettent à ton corps de bien fonctionner. Le guide comprend trois grandes catégories d'aliments. Les légumes et fruits, les aliments protéinés et les aliments à grains entiers. Chaque catégorie devrait occuper une place dans ton alimentation, comme tu peux le voir dans cette assiette. Ça y est, tu as maintenant tout en main pour débuter la mission. Allons-y! Étape 1. La vallée exotique. Voici les mouvements que tu devras faire pour répondre aux questions de cette étape et récolter des végétaux lumineux. Avant tout, c'est le temps de t'échauffer. Super! C'est un départ pour la première question. C'est la fin de semaine et tu reviens du parc. Ton ventre gargouille, tu as moins d'énergie et tu es de mauvaise humeur. Que pourrais-tu faire? A. Prendre une collation. B. Attendre le dîner pour manger. Ou C. Faire une sieste. Fais le mouvement qui correspond à ta réponse. La réponse est A. Prendre une collation. Lorsque ton ventre gargouille ou que tu as moins d'énergie, c'est signe que tu as faim. Il faut écouter les signaux de ton corps. Prendre une collation te permettra de refaire le plein d'énergie pour poursuivre tes activités. Deuxième question. Je suis l'une des trois catégories d'aliments du Guide alimentaire canadien. Dans ma catégorie, il y a des aliments comme le lait, les œufs, et les légumineuses. Qui suis-je? A. Les aliments à grains entiers. B. Les aliments protéinés. Ou C. Les légumes et fruits. Fais le mouvement qui correspond à ta réponse. La réponse est B, les aliments protéinés. On appelle cette catégorie « aliments protéinés » parce que les aliments qui en font partie contiennent des protéines. Ces aliments peuvent provenir des végétaux, comme le tofu, les noix et les pois chiches, ou des animaux, comme le poulet, les œufs et le lait. Dernière question de cette étape. En plus du goût, quel sens te permet de goûter aux aliments? A. L'ouïe. B. La vue. Ou C. L'odorat. Fais le mouvement qui correspond à ta réponse. La réponse est C. L'odorat. Lorsque tu manges, ta langue goûte les saveurs et ton nez sent l'odeur des aliments.
La combinaison de ces deux sens te permet de savourer pleinement les aliments. C'est pour cette raison que lorsque tu as le nez bouché, tu goûtes moins bien. Génial! Tu as accompli la première étape de la mission. Grâce à toi, les Galactics ont récolté une première espèce de végétaux. Maintenant, ils ont besoin d'une autre variété. Continuons d'avancer. Étape 2, la rivière émeraude. Voici les nouveaux mouvements que tu devras effectuer pour répondre aux questions de cette étape et récolter d'autres végétaux lumineux. Mais avant de replonger dans l'action, tu dois t'échauffer. Prépare-toi pour la prochaine question. Pour fabriquer du yogourt, qu'est-ce qu'on doit ajouter au lait? A. Des bactéries lactiques. B. De la farine. Ou C. De l'eau. Fais le mouvement qui correspond à ta réponse. La réponse est A, les bactéries lactiques. Pour fabriquer du yogourt, on doit ajouter des bactéries lactiques au lait. Ce ne sont pas de méchantes bactéries. Au contraire, ce sont de bonnes bactéries qui sont nécessaires pour épaissir le lait et le transformer en yogourt. Dernière question avant la prochaine étape. Quel aliment pourrais-tu ajouter à ton œuf et à tes fraises pour que ton déjeuner ressemble à l'assiette équilibrée du Guide alimentaire canadien? A. Une banane. B. Des noix. Ou C. Un bagel de blé entier. Fais le mouvement qui correspond à ta réponse. La réponse est C. Un bagel de blé entier. Tu as déjà des fraises, qui sont des fruits, et un œuf, qui est un aliment protéiné. En ajoutant un bagel, tu auras un déjeuner équilibré, puisque c'est un aliment à grains entiers. Déjeuner te donnera de l'énergie pour apprendre et bouger. Félicitations! Tu as complété la deuxième étape de la mission. Tes réponses ont permis aux Galactics de récolter une nouvelle espèce de végétaux. Il n'y a pas de temps à perdre. Dirigeons-nous vers le vaisseau pour libérer la lumière. Étape 3, le vaisseau spatial. Pour libérer la lumière et la diffuser vers la planète mère, les Galactics doivent activer les végétaux récoltés. Pour les aider, tu devras être énergique et effectuer plusieurs mouvements l'un à la suite de l'autre. Suis bien les Galactics. C'est parti!
formidable. Tu as réussi la mission. Une lumière ultra brillante est libérée des végétaux. Grâce à ton courage et à tes connaissances, les Galactics ont enfin pu diffuser une lumière puissante vers la planète mère. Tout est rentré dans l'ordre. Un message s'affiche à l'écran du vaisseau. Une autre mission est confiée aux Galactics. Ils auront besoin de ton aide.